clé, sans doute des conditions de circulation difficiles, mais désormais la RTBF vous proposera une nouvelle météo, plus précise, plus lisible aussi, à découvrir dès demain. Mais Annick Capel nous en donne déjà un aperçu. Mesdames, Messieurs, bonjour. La météo sur le pont du bateau, c'est fini. Dès demain, les prévisions se feront dans un décor plus traditionnel sur fond de planète bleue. Mais la grande nouveauté est ailleurs, à commencer par des cartes plus lisibles et plus dynamiques. Plus dynamique, tout simplement parce que à la place des pictogrammes qui étaient figés, forcément, ici, les zones nuageuses, on va les voir. La météo vous informera aussi deux fois par jour sur la qualité de l'air. Et puis le présentateur vous donnera aussi des conseils sur les énergies renouvelables. Bonjour, la grisaille présente ce matin pourrait s'attarder localement cet après-midi. Au niveau de la situation générale, nous avions hier une faible perturbation qui a traversé notre territoire. Elle s'est éloignée vers le sud et grâce aux nuages, nous avons eu des températures un petit peu moins basses pour cette nuit. À l'arrière, des courants humides ont permis la formation de brumes et de brouillards. Puis actuellement, nous sommes sous influence anticyclonique avec un centre de haute pression ici à hauteur de l'Allemagne. Alors pour cet après-midi, on va avoir des nuages bas qui vont traîner principalement sur le centre et l'ouest du pays. Partout ailleurs, le soleil va s'imposer. Dans le courant de la nuit, encore quelques voiles nuageuses sur l'extrême nord. Sur les autres régions, un ciel dégagé, étoilé. Lundi, elle donnera quelques champs nuageux. À l'avant, encore de belles éclaircies. Les premières précipitations sont attendues dans la nuit. Elles pourraient être verglaçantes. Et puis dans la journée de mardi, elles vont tout doucement se propager à l'intérieur des terres. Par la suite, mercredi, la perturbation va faiblir et s'évacuer par le sud-est. À l'arrière, retour d'un ciel tout de même assez nuageux. Et puis au fil des jours, il fera un petit peu moins froid. Les températures maximales resteront toutes positives. En ce qui concerne la qualité de l'air, demain, elle sera encore médiocre et les mesures prises en cas de pic de pollution resteront d'actualité. Dans le courant de l'après-midi, le vent va se renforcer et donc cela devrait s'améliorer un petit peu. On termine avec les éphémérides. Demain, nous fêterons Paulin. Nous gagnerons 2 minutes de clarté et ce sera la pleine lune. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain. Bonsoir et bienvenue dans ce bulletin météo des villes d'Europe, du Proche-Orient et du nord de l'Afrique. Demain, les conditions resteront anticycloniques sur une grande partie du continent européen. Cependant, on aura un petit peu plus de nuages de Tunis à Alger, mais un temps qui restera sec. Soleil généreux en revanche sur la péninsule ibérique. Un temps un petit peu frisqué puisque les maxima ne dépasseront pas 11 degrés à Porto, 8 à Madrid. 17 degrés pour Antalya. Le soleil sera masqué par quelques nuages du côté du Caire, également à Riyad. Voilà Riyad avec sa température de 16-18 degrés. Et nous terminons notre voyage à Dubaï avec un ciel d'alternance et 22 degrés. C'est donc ici que s'achève ce bulletin météo. Passez une excellente soirée. À demain.